chanson populaire du Maghreb. Une émission d'Ahmed Sefra. Amis auditeurs, bonsoir. Au cours de notre émission de ce soir, nous vous convions à écouter un Aqlab Sekin, un Istikhbar et un Bashraf. La variété multiple des morceaux musicaux de la musique classique algérienne, à qui l'on a donné le nom de Nouba Andalouse, nous fait revivre tout un passé glorieux, nous dévoile l'âme arabe à travers l'Espagne musulmane. Mais elle nous permet de sentir et de comprendre à la fois un art dont les répercussions n'ont pas fini d'étonner nos contemporains et de susciter la curiosité et l'engouement des générations montantes. À travers la Nouba Sika, le mode le plus riche que tous les pays arabo-musulmans continuent à cultiver, nous avions expliqué que la tonalité des différents morceaux qui la composent raconte l'amour discret et profond, les sentiments cachés et brûlants, ceux qui sont enfuis dans le cœur de chaque être mais qu'il n'ose pas dévoiler par pudeur, par esprit de contrainte religieuse, afin de garder l'estime de l'entourage et le respect de soi-même. Il est utile de rappeler que cette musique de cour manie différents genres, les uns sérieux à caractère solennel comme la nouba, les autres légers et frivoles comme les petites variations appelées naqlab, d'autres encore plus vifs consacrés à la danse connue sous le nom de haouzi ou zendani. À côté des genres frivoles, les personnes sérieuses, animées par les pensées religieuses, ont préféré d'autres genres qui, tout en étant d'inspiration andalouse et classique, ont développé des thèmes mystiques et puritains. Le mysticisme du son chez nos religieux prend souvent le caractère de pratiques pieuses. Pendant que les jeunes goûtent les vedettes en vogue, les musiciens qui décrivent l'amour sous ses différents aspects, nos imams et nos muftis, aiment bien demeurer dans le ton de la nouba qu'ils chantent avec tout le sérieux voulu dans les mosquées, mais en décrivant l'amour de Dieu ou en faisant l'éloge du prophète à l'aide de morceaux appelés adriyats. Si la nouba, avec ses différents mouvements, constitue la base, les autres morceaux qui en découlent, tels que les naqlabats, forment les variations légères qui utilisent des mesures vives et chantent des thèmes passionnels ou la recherche des plaisirs, même réprouvés par la piété, est considérée comme un exploit et un art. Tout cela explique que la musique andalouse, à travers ses différentes modes, est goûtée par tout un peuple. Elle est ressentie par les petits et les grands, les jeunes et les vieux. On la retrouve partout, dans les demeures, les concerts privés ou publics, les cafés et les mosquées. Elle fait partie de la vie quotidienne. D'ailleurs, pour qu'un nouveau musicien perce chez les jeunes, il est nécessaire qu'il présente d'abord ses qualités classiques, soit à travers la nouba, soit à travers le populaire dit shabi, soit dans un amalgame de moderne et de shabi à consonance andalouse. Pendant que la nouba utilise comme ouverture la touchia, les variations légères, la naqlabat préfère ouvrir le concert des jeunes par un bashraf. Le mode sika comporte de nombreuses naqlabs, les uns plus beaux que les autres, mais tous traitent de sentiments naturels que la pudeur contraint à ne se manifester qu'à travers des allusions à des expressions à double sens. Les manifestations culturelles, les noces, les mariages, les baptêmes, les concerts nocturnes, qu'ils soient modernes ou classiques, débutent par la touchia ou le bashraf. C'est ainsi que le bashraf sika annonce la fête et permet aux invités de prendre place
d'observer l'assistance et de se mettre à l'aise. Les musiciens, eux, aussi, placés sur un piédestal face au public, ont besoin de se sentir en confiance. En entamant le Bachebeuf, à la mesure cadencée, ils se sentent plus près des auditeurs qui apprécient de prime abord la qualité des exécutants.
la suite de cette ouverture, le chef d'orchestre entame le mode à l'aide de son alto ou de sa guitare. Le premier mouvement est court, simple, puis l'ensemble s'ébranle dans un geste majestueux, avec une mesure à quatre temps, mais une allure alerte, légère, afin de permettre au chanteur d'exprimer ce qu'il ressent et de raconter d'un trait les sentiments éprouvés à la suite d'une petite aventure. Ce que j'éprouve demeure implanté dans le fond de mon cœur. Mon amour m'a quitté et il m'a interdit tout sommeil. Chaque soir, l'étoile de la nuit espère pour moi le retour de l'objet de mon désir. Mais en vain. J'endure la souffrance sans avoir commis de mal. Mais je dois prendre patience, malgré sa fierté, car mon ami est bien cher à mes yeux. Je lui ai dit, ô objet de ma vie et de ma croyance, ne m'en veux pas pour mes actes et mes défaillances, même si je bois le vin qui fait parler mes ennemis.
تلويا غايت أمري واقتصادي لا تواخذني بفعل يا مرادي والمزاج خمرا خمرا على غيظ الأعادي المزاج La douleur ressentie par cette révélation est tellement intense que le regret de s'être plaint devient amertume et souffrance. C'est d'ailleurs le cas de notre poète qui, à travers un extirpare mélancolique, se mord les doigts d'avoir essayé de se plaindre de celle qui l'a boudé. Il s'en repent et tire une leçon de sa désinvolture, de son manque de patience. C'est pourquoi il dit « Supporte la plus grande faute de celui que tu aimes. » Et même si tu as subi une injustice, dis, c'est moi qui suis fautif. Si jamais tu n'acceptes pas l'avilissement de la passion, celui que tu aimes se séparera de toi et tu regretteras ton attitude.
Peut-il agir d'une autre façon? Celui qui a été subjugué, la taille svelte d'une princesse volage, et qui n'a jamais perdu l'espoir de la posséder. Le rêve est toujours conducteur, il se révèle souvent plus tenace que la réalité, il pousse au bonheur dans les moments les plus pénibles. C'est pourquoi le mouvement suivant ne cesse pas de rappeler cette vérité humaine à travers un Kleb Sika chanté par Sadr al-Djawi d'un ton plein d'amertume malgré des paroles encourageantes. La taille qui m'a subjugué m'a fait oublier ce que je suis. Je n'ai d'ailleurs jamais perdu l'espoir de la posséder. Ô mon âme, ô mon souffle, tu me boudes. Et je bois tant que la coupe peut me rafraîchir. Comment retenir les rênes de mon rêve après avoir reçu ta lettre, ô toi, être le plus précieux? Si l'erreur vient de moi, on veut que ce soit par ta faute seulement. Seulement j'accepte tout ce que ton désir commande. القد الذي سبقني ساني ساني القد الذي سبقني ساني ساني قطعت الياس يا بني منه قطعت الياس يا بني
Boire la coupe qui rafraîchit pour éteindre la brûlure de la flamme intérieure, c'est le propre des impatients et des faibles. Il arrive parfois qu'un simple regard éloquent est largement suffisant pour calmer le désarroi d'un passionné qui espère, et ce regard doux et plus suave que l'istirbab sika qui déclare « Elle fait signe d'un regard discret, de crainte d'éveiller les siens. Sans dire un mot, elle fit comprendre toute sa tristesse. Mais j'ai été convaincu que le regard voulait dire « Sois le bienvenu, viens chez moi en toute confiance, ô ami passionné. » Après un regard aussi révélateur, la nuit du destin s'éclaire et illumine le cœur qui était plongé dans l'affliction. La transformation des sentiments ne tient qu'à un fil. Une promesse même fausse élève et réjouit les êtres les plus éprouvés et les remplit d'aise et de bonheur. Ce club vivant l'exprime avec éloquence. Ce soir, tu es pour moi la nuit du destin. Et par toi, mon bonheur s'est accompli. La pleine lune m'a rendu visite, dans la nuit éclairée, resplendissante, dans sa tenue merveilleuse. Quand l'espoir est grand, l'enivrement est intense, et le poète se sent transporté au-delà de sa réalité. La fée des songes apparaît au milieu des jardins fleuris. Il s'abreuve du nectar de ses rêves, fait couler son propre vin à grands flots, de ce vin qui donne la gaieté à un cœur déjà joyeux. Le balancement de la tête au rythme cadencé d'une clepsica dénote bien le transport vertigineux du domaine des réalités vers le monde des imaginations et des rêves. Allons. Allons, verse-moi à boire de ce qui me donne la vie. C'est le vin de Chine qui viendra me guérir. Lève-toi à me ressusciter sur la branche du rosier odorant. Moi, c'est la prunelle des yeux noirs qui viendra me guérir. Ô taille de mimosa, ô beauté troublante, c'est toi le souverain, mon ami, le plus fidèle.
lors d'une prochaine émission de musique et chansons populaires du Maghreb. Bonsoir.